كرة اليد ألعاب الجزائر العاصمة سجلت مشاركة 5 منتخبات من أقوى الفرق في العالم، ورفضت فرنسا المشاركة وقتها خوفا من إطاحتها من قبل المنتخب الجزائري. كرة اليد في هذاك الوقت كانوا 5 فرق، خمس فرق، يعني يوغوسلافيا، الجزائر، تونس، ايطاليا، اسبانيا. فرنسا ما حبتش تجي. On avait joué contre elle en match amical qui était à Coubertin. Ils avaient organisé un tournoi et nous ont invités. Ils ont invité l'Algérie. Au moins, ils avaient dans leur objectif, ils savaient pourquoi. Nous, on a été pour se préparer. Mais eux, ils voulaient voir, ils voulaient tester le niveau de l'équipe algérienne. Bon, on a joué contre eux, on les a battus. Ça leur a donné à réfléchir. Ici, ils nous ont battus. Qu'est-ce que ça serait en Algérie? Quand on a fait oui, ou la Kenjat, Momken, Khams, ou la Stor Makbel, ou l'Abna Maham, Al-Farik, ou Khassarat Mal-Farik Tana. Ou Makbelouch, Al-Rachid. Ou Majel, ou Mahabouch, il dit. Après ce match-là, ils étaient sûrs qu'ils ne pouvaient pas gagner. Ils étaient sûrs au fond d'eux-mêmes, parce que c'était des techniciens. Donc ils ont dû discuter, se dire, bon, il vaut mieux éviter. Ce n'était pas le moment de perdre en Algérie. المنتخب الجزائري تألق في الدورة المتوسطية رغم مشاركة أقوى المنتخبات في العالم وتمكن من الفوز بميدالية برونزية. On a joué contre des équipes très fortes, la Yougoslavie qui a eu la médaille d'or. C'était une équipe hors catégorie, on ne pouvait pas la concurrencer. Mais on avait des équipes qui étaient à notre portée. خاصةً في ألعاب جماعية كانوا قويين. يوغوسلافيا وكانت تركيا وكانت فرنسا وكانت ايطاليا. هذاك الوقت كانوا اللاعبين يعني كلكم تعرفوهم، يعني كان هاشمي، بوزرال، لامجاداني، مقناش، أكاشا، كانوا اللاعبين يعني معروفين على مستوى الوطني، وهما اللي كانوا يعني في البداية هما اللي طاوا هذا الثورة هذه تاع الرياضة كرة اليد الجزائرية، هما اللي بداوا، هما اعتبروهم دي بيوني يعني. كان خياطي هاوليك خياطي كان الغارديان ان دي غارديان ومن بعد كان فرفار ومن بعد كان بن حموده كان بوزار فاروق كان صياد كان تصابت مخناش بوزار عز الدين كاع ليكيب صياد وانا كنت واقف هنا معاهم هاشمي كان هنايا كان عماره هنا تانيك توفى الله يرحمه كان جفل هادو كامل اللي كانوا في ليكيب كيما لامجاداني كان انا اعتبر في هذاك الوقت كان احسن لاعب حتى في العالم لو كان يعني كانت عندنا يعني علاقات قويه مع المباريات الدوليه نظن باللي كان يجوز احسن لاعب Ah, c'est ici, c'est la salle Harsha, c'était le temple du handball à ce moment-là. C'était le temple du handball algérien. Les spectateurs, il y avait un peuple, il n'y avait pas les spectateurs. Parce que les gens qui étaient dans la rue, qui voulaient rentrer, il y avait 2 fois ou 3 fois plus de gens que ceux qui étaient dans la salle. C'était impossible, les gens étaient dans la rue, ils attendaient comment pouvoir rentrer. La salle était archi comble. الجزائر فازت في أول مباراة لها أمام المنتخب الإيطالي بنتيجة 18 هدفا مقابل 13. ك
contre l'Italie, ce n'était pas un match très difficile. Parce que l'Italie n'était pas vraiment une équipe très forte. Donc, je pense que si je me rappelle bien, on avait battu l'Italie 10 buts d'écart. Mais c'était un premier match qui nous permettait de rentrer dans la compétition progressivement. في ثاني مواجهة للجزائر بألعاب البحر الأبيض المتوسط سنة 1975 أطاح المنتخب الجزائري بشقيقه المنتخب التونسي بنتيجة 20 مقابل 16 إصابة. La Tunisie et l'Algérie c'est deux frères ennemis. Ça il faut le dire. On s'aime bien la chose, mais sur le terrain c'est les frères ennemis. Bon, on a joué, on les a battus. Et il fallait pas. Bah, d'abord il fallait pas perdre. Parce que l'objectif était deuxième ou troisième place. Bon, la deuxième place, était, je vous ai dit, c'était un peu difficile. Mais la troisième place, il fallait l'avoir. Il n'y avait pas à discuter. La troisième place, il nous la fallait. La Yougoslavie, d'abord, c'était même pas à discuter. C'était essayer de minimiser l'écart de but. Ce qui faisait un peu notre force, c'est qu'on savait, on était réaliste. On savait où on pouvait gagner, où il y avait des doutes, où on ne pouvait pas arriver. La Yougoslavie, c'était un point intouchable. Quand وجابوا الفريق تاعهم اللي شارك يعني على مستوى كان هو يعني كان هما ورواسا ورومانيا هما اللي كانوا ولكن في بحر الابيض المتوسط نظن باللي يوغوسلافيا احسن مستوى هي مدرسه يعني من بكري هي مدرسه Ils étaient champions du monde, vice-champions du monde, etc. Donc c'était pas. Il fallait jouer de manière à ce que l'écart de but ne soit pas énorme. Et ben, heureusement pour nous, on n'a eu que 10 buts d'écart, on était contents. 10 buts d'écart, c'est gentil. مباراة الجزائر إسبانيا كانت مباراة متكافئة هدفها الفوز لمنتخب إسبانيا بنتيجة 19 مقابل 16 هدفاً. وهي النتيجة التي حرمت المنتخب الجزائري من ميدالية فضية محققا ميدالية برونزية. خسرنا مع اسبانيا بهدفين، لو كان ربحنا في اسبانيا ولا تعادلنا معهم كنا احنا نكونوا في احسن درجة. Je dirais que c'est regrettable parce qu'on regrette beaucoup ce match-là. Parce que le match contre l'Espagne, c'était un match très équilibré. Et ils prenaient l'avantage, on revenait, on prenait l'avantage. C'était un match vraiment équilibré. On a vu que les Espagnols et les Yougoslaves ont une expérience et une grande expérience. Et on a réussi avec les Espagnols à deux buts. Et c'est vers la fin du match où on devait prendre l'avantage. On était à égalité. On devait prendre l'avantage. On a joué, j'ai récupéré la balle des Espagnols, j'ai donné la balle à notre ailier qui devait marquer. Mais l'ailier, je ne sais pas. Vous savez, des fois on arrive à vouloir faire des choses extraordinaires avec le public et tout ce qui s'ensuit. L'ailier a plongé, mais au lieu de tirer, il a voulu lober le gardien qui faisait près de 2 mètres, qui était au-dessus de lui. Ce qui fait qu'il lui a donné la balle dans les mains. Deux gardiens, ouah. Là, on était en contre-attaque. Ça veut dire tous les joueurs algériens étaient en bas. Il restait deux joueurs espagnols qui étaient en retard. Ce qui fait que les deux joueurs espagnols se sont renversés en joueurs de contre-attaque. Et ce qui a fait qu'ils ont pris l'avantage à ce moment-là. Face à face, ils ont marqué. On a encore essayé, on bat le deuxième but et c'était cuit. On ne pouvait plus rien faire après. On n'était pas déçus, non, on n'était pas sûr. On voulait la deuxième place, mais on savait au fond de nous que c'était très difficile. Et en plus de ça,
réussir la médaille de bronze aux Jeux méditerranéens, c'est pas facile. Donc on était vraiment aux anges, l'équipe était aux anges, on était contents, tout le monde nous félicitait. Et c'était merveilleux, que tu fais Chab Kamel, les Djidj, les Morak, les Moualek, les gradins, c'est extraordinaire.